Quest, ce qui vous a conduit à animer cette émission, assez différente de celles dans lesquelles vous officiez d'habitude? Agathe Le Caron, mon métier consiste à m'intéresser aux gens et à leur histoire. Quand Nathalie Cottet et Fred Louza ont imaginé ce programme, ils sont restés dans cette veine mais ont voulu m'emmener dans un registre plus intime, comme je le fais déjà dans mes podcasts. Et l'intérêt de Chemin de Traverse, si est aussi con et dans le temps long. Votre rôle dans ce nouveau programme est-il comparable à celui de Passeur Cocu Raphaël de Casabianca dans Rendez-vous en Terre Inconnue? Non, parce que je ne mets pas mes invités dans des situations extrêmes. Mais si je devais résumer, je dirais que Chemin de Traverse est à la fois une sorte de bilan et de point en route. Depuis 20 ans, vous êtes très proche de Virginie Efira. Pendant ce tournage, quoi avez-vous découvert d'elle que vous ne soupçonniez pas? Virginie est quelqu'un qui est beaucoup dans l'analyse, alors j'étais persuadé qu'elle resterait dans une forme de retenue. Mais elle s'est révélée plus sensible que je ne le pensais. Elle s'est laissée rattraper par l'émotion. Quelles limites vous étiez-vous imposé concernant l'évocation de sa vie privée? Comme on réalise une enquête en amont de l'émission, on connaît les sujets qui fâchent. Et Virginie savait que j'allais m'aventurer sur ce terrain. Mais elle gardait évidemment le droit de me le dire si certaines choses la gênaient. Dans quelles circonstances avez-vous fait la connaissance de Virginie Efira? Nous nous sommes rencontrés sur RTL TV, qui est le TF1 belge. On avait eu un vrai coup de foudre amical, comme on tombe amoureux. Je crois que nous nous sommes reconnus, car on était les deux vilains petits canards. À nos débuts, on nous répétait que nous ne deviendrions jamais populaires. Quel regard portez-vous sur sa carrière? Que peut-on dire à part qu'elle est exceptionnelle? Virginie incarne le travail. Elle n'a jamais fait de compromis sur ses choix, en refusant, notamment à une époque, de ne jouer que dans des comédies. Et elle n'est jamais trop ou trop peu. Elle est juste. There's all times through the rough times I've been.